Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. Nous voici le ma'an. Fais-y si tu as le micro à l'imoubtadi'in. Fais-y si tu as le micro à l'imoubtadi'in. Et bien, je vais nous aider. Ala barakatillah. Lina, on a un nas. Bi'unwan. Le pain sans sel. Le pain sans sel. Khobzon. بدون ملح le pain sans sel. هنا النص عبارة عن un dialogue يعني حوار. نبدأ قراءة النص. Donc هنا يقرأ حالة سكون بما أنه متبوع به une consonne voudrait a ekulna e donc voudrait le s la yontaq je voudrais te roi ta roi le s hona la yontaq qulna bi anna o i huwa wa donc ta roi a i n Roi 1. Donc P 1 pain. Le S ne se prononce pas. Virgule. S'il هنا أصل الكلمة si il التقى هنا le I avec le I donc deux voyelles. نحذف la première voyelle ونستبدلها بالapostrophe. D'accord? On dit s'il مباشرة. S'il vous a eu ou le s ne se prononce pas. Vous le p يتبعه le l. Donc يقرأ p. A i هو e. Donc p les. Le T ne se prononce pas. Avec. Avec. Le C, on a un taq. Ou. A-N. En. S. En. Sans. Le S ne se prononce pas. La un taq. S. E, L, sel, sel, point d'interrogation, alamat istifham. Dit, le T ne se prononce pas, le boulanger, E, R ou E, boulanger. G. Pressé. Pressé. On a le E en tant que E. Les modèles et N ont été boués avec deux consonnes. Pré. Là, on a le pre. Il n'a pas. Pressé. Karim. Répond. O-N-O. P-O-N-P-O-N. Le D ne se prononce pas. Répond. Sans. Le S ne se prononce pas. Réfléchir. Réfléchir. Et. Il. E-N-O. Rentre. Rentre à la maison. A i ou a e qu'on a. On le dit na o n. Kedelik le s on a mahsour bena deux voyelles. Bena le i et le o. Donc on taqo z ou lesa s. Maison. À la maison.
à midi, virgule, les, ES, ouais, et, les, EN, en, F, AN, font, ou ma T, ou S, ne se prononce pas. Enfant. Nakoulou, les enfants. On fait la liaison. Narbetu beyna el kelimetayn. Les enfants commencent. En, mon. Thumma, huna, E, N, T, عبارة عن E. Nakoulou, commence. A, mon. A-N-O, donc mon G. E-R, qu'on a bien N-O, E. A, mon G. Maman, ma, mon, le pain n'a pas de goût. Virgule, dit Dalila. On dirait, le tu ne se prononce pas, de la farine. Farine. Ajoute ra. Ajoute Rachid. Maman goûte le pain. Mais, aï, ouais, et, le S ne se prononce pas, mais c'est du pain sans sel. Karim, tu as acheté le H. Un amus par obissé, on t'a coché. Acheté du pain sans sel. Et Karim répond. O-N-O, le D ne se prononce pas. E-N-O, encore. C-O-C-O. Al-harf, si elle est un mot, on met bi O, ou A, ou U, ou harf, sekin akhar, on met K. Encore. Sans réfléchir. Je devais. A, ikouna, et le S ne se prononce pas. Acheter. A, U, O. Deux S, donc c'est S. Aussi. Du sel. O, U, U, tout, le T ne se prononce pas, le monde, monde, éclate, E accent aigu, c'est E, le si on aime être boire une autre consonne, il y aura O, Q, ou les ça, S, donc éclate, de, rire. Sauf, on a le F et on tape, qu'on a bien un F, R, C, L, fait après le kelimat, on tape. Les noms de la harf F et on tape. Sauf, Karim qui n'a toujours.
Jour, pas, le S ne se prononce pas, O-M-O, quand, P-R-I, compris, le S ne se prononce pas. On a ici le point d'exclamation. الآن نعيد قراءة النص مع الشرح. Le pain sans sel. خبز بدون ملح. Je voudrais trois pains, s'il vous plaît. أريد ثلاث خبزات من فضلك. Avec ou sans sel. بي أو بدون ملح. يعني بملح أو بدون ملح. Dit le boulanger pressé. قال الخباز مستعجلا. كريم répond sans réfléchir. كريم يجيب دون أن يفكر. طواب بسانسيل. ثلاث خبزات بدون ملح. Et il rentre à la maison. هو عاد إلى المنزل. À midi, على الساعة 12 زوالا أو في منتصف النهار. Les enfants commencent à manger. الأطفال بدأوا بالأكل. Maman, le pain n'a pas de goût, dit Dalila. أمي, الخبز ليس لديه ذوق, قالت دليلا. On dirait de la farine, ajoute Rachid. وكأنه الدقيق, la farine هو الدقيق, ajoute Rachid, أضاف Rachid. Maman, goûte le pain. أمي تذوق الخبز. Mais c'est du pain sans sel. Mais, ولكن, إنه خبز بدون ملح. كريم, tu as acheté du pain sans sel? كريم, هل اشتريت خبز بدون ملح؟ Et كريم répond, encore sans réfléchir. يجيب كريم مرة أخرى. دون أن يفكر. Je devais acheter aussi du sel. وهل كان علي أن أشتري الملح أيضا؟ Tout le monde éclate de rire. كلهم انفجروا من الضحك. Sauf Karim. إلا كريم. Qui n'a toujours pas compris. الذي لم يفهم أي شيء. أعيد قراءة النص مع احترام la ponctuation وقواعد القراءة الصحيحة. Le pain sans sel. Je voudrais trois pains, s'il vous plaît. Avec ou sans sel? Dit le boulanger pressé. Karim répond sans réfléchir. Trois pains sans sel. Et il rentre à la maison. À midi, les enfants commencent à manger. Maman, le pain n'a pas de goût, dit Dalila. On dirait de la farine, ajoute Rachid. Maman goûte le pain. Mais c'est du pain sans sel. Karim, tu as acheté du pain sans sel? Et Karim répond encore sans réfléchir. Je devais acheter aussi du sel? Tout le monde éclate de rire, sauf Karim, qui n'a toujours pas compris. يفهم جيدا رغم أنه لا يوجد نص أمامه فإنه عندما يستمع إلى القارئ يفهم متى يطرح السؤال متى تكون الجملة عبارة عن سؤال متى تكون عبارة عن تعجب ومتى تكون عبارة عن جملة خبرية طوك أعيد وأؤكد بأنه لكي نقرأ قراءة صحيحة يجب علينا أن نركز جيدا على la ponctuation بمعنى La virgule, الفاصلة, le point, النقطة, le point d'exclamation, علامة التعجب, le point d'interrogation, علامة الاستفهام إلى غير ذلك. Donc, يجب علينا أن نقرأ قراءة صحيحة وأن ننطق الكلمات بشكل صحيح. القراءة هي المفتاح الأفضل أو الطريقة المثلى لتعلم أي لغة كانت. Voilà, بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا. وأن الفيديو قد نال إعجابكم لا تترددوا في ترك تساؤلاتكم في التعليقات تكون في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم